Être un homme, pas une pute. N'oublie jamais qui tu es, c'est le bad set qui m'a appris. On m'appelle Chica Argenté ici. Je suis peut-être le plus jeune, mais je sais ce que je veux. Parlons plus, parlons bien. Là, on est au collège Le Village. Moi, j'étais turbulent, celui qui fait des bêtises. Dis-toi, au collège, on rappait déjà au collège, non? Voilà. Lui, il rappait, lui. Lui, il rappait. Lui, il rappait pas encore. Et lui, il rappait aussi. Quand on était petit, le plus nul, c'était lui. Le corps, il en fait aujourd'hui. Le corps, il en fait aujourd'hui. Mon crew, c'est les gars avec qui j'ai grandi. On a fait là les conneries ensemble. Ils sont toujours là pour moi, pas pour mon buzz ou quoi. C'est un crew. Mon premier souvenir de musique, c'est quoi? C'est la Mafia Spartiate. C'est grâce à eux qu'on a connu le buzz, tout ça. C'est ça, nous on écoutait que la Mafia Spartiate. Nous on s'inspirait de la Mafia Spartiate, nous. On faisait des sons et on faisait Spartiate, nous. On se checkait, on faisait ça. Et je balance ma jambe sur la gauche. Et je balance ma jambe sur la droite. Et je balance ma jambe sur la gauche. Et je balance ma jambe sur la droite. Moi j'étais toujours dans les clips. Clips des grands tout le temps. Est-ce que je suis le petit frère de Koba, Bolé, Codes? Ouais, je m'en cache pas, c'est eux qui m'ont donné envie de faire de la musique, faire du rap. Quand j'allais à leur clip devant le bad set, ça m'a donné envie de réussir quand même, de faire de la musique pour ramener le quartier au sommet. Et c'est des vrais grands, c'est pas comme si c'était des grands qui faisaient les salopes ou je sais pas quoi, c'est des vrais grands, ils ont été là à la cité. Le meilleur conseil qu'ils m'ont donné, c'est de pas faire la pute. Ça, c'est le conseil qu'ils nous ont tous donné. On va dire Koba, vas-y, c'est comme mon grand frère, t'as capté? Il m'a donné beaucoup de conseils. Être un bonhomme, il m'a donné des conseils dans la ZIC aussi, il m'a donné des conseils partout. Tout passe par les sous. Si t'as des sous, t'avances. Hein. Mais pour avancer, il faut en faire. La mentalité, elle est solide toujours. J'ai vu mon buzz grossir, les propositions arriver, c'était grave rapide. Pour vous le dire, j'ai su que le jour J pour ma signature. Mon manager s'est venu à la maison, il y avait mes parents. Ils ont mis le contrat sur la table direct. Ma mère, mon père, ils étaient fiers de moi. Leur fils leur a même que des problèmes à la maison. Mais vas-y, là il y a une signature de maison de disque aussi. Ouais, vous faites quoi là, wesh? Là c'est où là? Là c'est le jour où je me suis fait pète. Quand j'avais 9 ans, il y avait Kodesh et Chotas en vélo. Et moi je m'en souviens, je m'étais fait pète ici. C'était une bagarre, il y avait une bagarre à la cité. Après là-bas qu'ils sont venus, ça veut dire qu'on a tous couru Opal, il y a les plus grands, ils sont venus, il y a Koba, tout ça, il y a Koba et Béné, ils sont venus. Ils nous ont dit, wesh, il s'est passé quoi? Venons, on repart. Et quand on est arrivé ici, les keufs, ils sont sortis directement. Ça veut dire, dès qu'ils sont sortis, boum, on s'est fait courser, guet-apens. Il m'a attrapé, balayette, il m'a tiré mon t-shirt, coup de matraque, j'avais une bosse ici, laisse tomber. Non, ma tante, elle est venue me chercher. Après, quand je suis monté sur la dalle, mon daron, il est sorti, direct. Ça veut dire, il m'a steaké sur la dalle, j'ai voulu courir, tout ça, laisse tomber. C'était chaud, voilà, c'était chaud. Non, là, ça parle techniquement, là. Je t'explique. T'as capté? T'as capté? T'as capté ou pas? T'as dit? Attends, waouh. Regarde. Eh, c'est parce que j'ai des nouvelles paires, voilà. Attends. Eh, regarde, tiens. Tiens, regarde, ça, c'est pour toi, ça. Attends, joue. Eh, joue. Élève mes billets, oh. Faites pour moi, je suis habillé, oh. On bouge pas à part si ça parle billet, oh. Bien, hein, y'avait mes billets, hein, y'a mes billets, hein, y'avait mes billets, hein, y'a mes billets, hein, y'avait mes billets, hein, y'a mes billets, hein, y'avait mes billets, hein. Le mal est fait, donc je fais tous les soirs pour éviter les gens maléfiques. Je mets boulettes quand y'a les filles, j'ai pas beaucoup parlé pour lui faire sa veille. Le commerce tout comme le cas vu à ta russe. Faut que j'y retourne. Sauf si j'ai chez Kra, y'a pas de caresse. J'ai confiance en mes couilles et mes couilles ont confiance en moi. Et nous, on s'en bat les couilles s'il faut le faire à la fin du mois. Devant l'OPJ, je sais
pas. Moi, elle me demande si qu'il bosseur gros, j'sais pas. Moi, on t'a pas raté, c'est bien. Nous, elle a vu 2 millions, elle veut que 2 mois. J'suis sur le terrain depuis longtemps. T'es cramé, on sourit devant le montant. Si on réduit, c'est ton quartier qui entend. Les côtés dans la veuve qu'un peu plus détendre. On peut t'éteindre depuis longtemps. Mais garder silence, ça fonctionne. Ici, y'a plusieurs fonctions. Et si tu veux bosser, y'a pas aucune question. On va te croiser, balle l'écoute à taille. Faut que j'aille rabattre la bouche, un détail. Je t'avais ce qu'il veut que j'ai du détail. Le plafond est carré, j'ai tous les détails. Je suis avec Stoko, on est die, merde. Et toi t'es dans la merde. Une chicha amère, imbécile, on va te niquer ta mère. Ouais, tu parlais pas avec moi, mais moi je veux juste te dire qu'on s'en bat les couilles que t'aimes bien. C'est juste ça que je veux dire. On s'en bat les couilles que t'aimes bien. Vas-y, au calme. Moi en tout cas, je m'en bats les couilles.